Enfin, la vie a continué nous-mêmes et nous pas et nous rappeler où nous t'ai dit déjà 9 mars 1983 et 9 mars 2011. 28 ans déjà depuis t'es gagné un gros événement que t'es fait dans le pays d'Haïti. À l'heure comme ça, je pense en pile haïtien t'es content parce que t'es gagné une nouvelle par voix et y a un grand homme qui t'est venu puis les paysans et qui t'est annoncé il faut que ça change. Pape Jean-Paul II, il était visité pays d'Haïti 9 mars 1983. 2011 dans là dans Haïti tant longtemps sur télé diaspora Rigidi nous pral présenter au le pape Jean-Paul II était entré en Haïti et pour ça c'était ancien président Jean-Claude Duvalier qui était recevoir à toute madame et tout gouvernement. Même Jean Jodi en a présenté, c'est comme ça vendredi sous Rigidi ou pral dans moment on parler là nous pral laisser au vivre époque pape Jean-Paul II lui-même il était entré en Haïti. N'a dit ou bonsoir et ou même qui a regardé pour la première fois n'a dit bienvenue. Merci. Restez branché. N'a tourné après quand ou fin bien regarder événement ça côté pape Jean-Paul II il était entré et il était fait discours parle après président ancien président Jean-Claude Duvalier. L'invité était branché. Émotion se mêle au plaisir que j'éprouve à souhaiter à votre sainteté, tant en mon nom personnel qu'en ceux de la première dame de la République, du gouvernement et du peuple haïtien, la plus cordiale bienvenue sur la terre d'Haïti. Autour de moi se dresse la nation haïtienne tout entière, unie dans un même élan d'enthousiasme, communiant dans une même ferveur religieuse pour acclamer votre sainteté et recevoir ce message d'amour, de paix et de justice. La nation haïtienne qui vous accueille, très Saint-Père, sur cette île de la Caraïbe où fut érigée la première croix des Amériques et célébrée aux confins du 15e siècle la première messe du continent. C'est aussi la première république noire du monde, née à l'indépendance, dans des circonstances exceptionnelles, produit d'une authentique révolution dont les idéaux de liberté et d'égalité balayèrent de leur source irrésistible la structure surannée de notre colonial injustifiable. Comment ne pas rappeler à cette occasion les liens inaltérables qui se sont alors tissés entre les pères fondateurs de la République d'Haïti et les fils de la vaillante Pologne, dont les qualités de bravoure et de générosité ne se sont pas démenties au cours des siècles. Comment ne pas rappeler que le contingent de Polonais venu en Haïti en 1802 avec l'armée de Bonaparte pour rétablir l'esclavage, n'hésita pas à rejoindre les rangs des esclaves révoltés et à combattre aux côtés de nos ancêtres pour l'avènement d'un monde plus juste et plus humain.
humain. Très bon père, je forme le vœu que la visite de votre sainteté soit l'occasion de resserrement des relations cordiales existant entre ce siège et la République d'Haïti. Puisse votre séjour parmi nous être le plus fructueux et le plus agréable. Je salue avec joie et émotion cette terre d'Haïti. Voilà bientôt 500 ans que la croix du Christ y a été plantée, qu'on y a célébré la première Eucharistie, récité les premiers Ave Maria. Aujourd'hui, enfin, les successeurs de l'apôtre Pierre viennent à vous. Je sais avec quel empressement vous avez attendu et préparé ma venue. Je vous en remercie. Je salue tous les peuples haïtiens dont l'histoire s'est tissée peu à peu au milieu des conquêtes et des preuves qui ont forgé cette très caractéristique particulièrement attachante. Je salue les dirigeants, ceux qui exercent les plus grandes responsabilités, et je leur sais gré de m'accueillir ainsi. Et je salue en même temps chaque citoyen haïtien, chaque famille haïtienne, surtout ceux qui souffrent. Je ne peux me rendre auprès de chacun, mais je veux que tous sachent qu'ils sont également présents à la pensée et au cœur du pape. Je salue avec une joie particulière l'Église catholique qui est en Haïti, ses évêques, ses prêtres, religieux, religieuses, ses laïcs. Une Église à la fois fervente, à la prière vibrante, une Église prédiée au sort du peuple haïtien. Durant mon bref séjour, je ne pourrai pas aborder tous ces problèmes qui me tiennent à cœur. Mais je viens avant tout confirmer son œuvre dans ce qu'elle a de meilleur et son projet d'évangélisation. J'ai entendu beaucoup de témoignages sur sa vie méditante. J'ai lu le message du symposium de décembre dernier.
je viens encourager mes frères et sœurs d'Haïti à les réaliser. L'Église y a pris conscience de ses possibilités, des grâces que le Seigneur lui a faites, et aussi de ses limites, des obstacles, des difficultés. Il a appelé chacun à la conversion, riche ou pauvre, pour déraciner le mal dans les personnes et dans la société. Il a réaffirmé la dignité de tous, voulu que l'Évangile soit toujours la bonne nouvelle pour les pauvres. Il a appelé tous ses membres à une pastorale solidaire pour un avenir religieux et humain digne de ce peuple dans la liberté et la responsabilité. Dans ce contexte, je remercie de tout cœur Monsieur le Président de la République qui vient de faire connaître au grand public la nouvelle selon laquelle il est disposé à renoncer de lui-même au privilège dont jouit actuellement le chef de l'État haïtien en vertu du concordat du 28 mars 1860, dénommer les archevêques et les évêques. Je vous assure, Monsieur le Président, que cette mesure, inspirée par les vœux du Concile œcuménique Vatican II, ne pourra que profiter tant au développement harmonieux de l'Église catholique dans ce pays qu'à l'État haïtien. Je viens encourager ce réveil, ce sursaut et cette marche de l'Église pour le bien de tous les pays. Nous allons le faire maintenant au cours d'une assemblée eucharistique et mariale qui clôture votre congrès. C'est dans la prière et dans l'amour que nous puisons la lumière et la force de servir nos frères. Que le Seigneur bénisse notre ministère sur cette chère terre d'Haïti. Monsieur Jean-Claude Duvalier. Pour l'instant, la télévision nationale d'Haïti est toujours à l'aéroport. La télé nationale vous offre ses images en direct de l'aéroport François Duvalier de Port-au-Prince. Vous voyez sur votre petit écran le 13 Saint-Air et le couple présidentiel. Voilà, c'était une très belle cérémonie qui était organisée dans l'aéroport Époque-Lan, qui était l'aéroport Docteur François Duvalier. Eh bien, et c'est là que j'ai été recevoir Pape Jean-Paul II. Son très belle vidéo, ça a belle en pile. Il y a en pile et côté Pape Lantal visité et l'île en pile. Alors, nous connaissons. Nous n'avons pas gagné assez de temps. Nous avons un petit calme à manger. Hein? Juste pour ne pas quitter ou mourir grand goût. Et résillons quand même avec papa, parce que ça fait déjà 28 ans